Attendez. Il nous faut du concret pour la fin de la semaine. J'ai une idée. Si on faisait un projet sur un compositeur finlandais. Mais non, c'est pétard! Finalement, cette végétation, cette osmose, la nature. Pourquoi ne ferions-nous pas un documentaire? Tiens, voilà un ours! Mais non, c'est un moumine! Est-ce qu'on est au pays des moumines? Ah! Et si on faisait un film sur les Vikings? Bah non! Ici, c'est le pays du Père Noël! Ah, je suis trop content, surtout qu'on est alors, pas en alors, Finlande. Alors, je t'explique, on est en Suède. Mais quand tu dessines, tu fais t'as déjà l'image dans la tête de ce que tu fais ou... Plus ou moins. Mais là, heureusement, avant, je vous ai dessiné quand même, j'ai fait quelques recherches par rapport à vos traits caractéristiques, tu vois, caricaturaux, j'ai trouvé des petits trucs sympas quoi, qui peuvent vous différencier. Parce que chaque fois, je pars de la même base, j'ai un personnage tu vois, qui a une tête ronde comme ça, avec des yeux sans nez. Et donc là, après, moi, je rajoute des attributs, toi, ton casquette noire, t'as la barbe... En fait, c'est juste des trucs comme ça, quoi. Alors, toi, t'es pas dans le même style de dessin. Non, bah en fait, sans vraiment le vouloir, on est parti sur des trucs différents, en fait, ne serait-ce qu'au niveau du support. Lui, il est plus papier blanc, niveau de gris. Moi, à la base, je fais beaucoup de texture dans tout ce qui est mes dessins. D'accord. Et là, j'ai trouvé un carnet qui était déjà en craft, comme ça, donc j'ai une texture. Du coup, je vais jouer sur les noirs et sur les niveaux de gris et sur le blanc pour renforcer. Et Yvon, lui, c'est un mec de l'aquarelle, quoi. Du coup, un enfant de l'aquarelle. Oui, de l'aquarelle. Bah, si, l'aquarelle est pour couleur, c'est mon truc. Ouais. Du coup, il y a trois médiums différents, en fait, c'est sympa aussi. Bah, technique, vu qu'on n'a pas trop notre matériel d'infographie, nos petits ordi avec nous, on se contente du crayon de bois, peut-être un peu d'aquarelle, histoire de... Histoire de mettre un petit peu de couleur. Ouais, voilà. Si j'ai bien compris, t'es plus dans la couleur que les collègues. Ouais, enfin, je fais d'illustration hein, quand même, initialement. Mais c'est vrai que mon boulot, c'est la couleur. Donc, un illustrateur, finalement, me file une ligne noire. Mm-hmm. Et moi, j'y mets la couleur. You clean this up, I'm gonna shove it down your throat. You hit the wrong guy.
on a été à la mer, on a été touché par la mer, la mer glacée, etc. Je baladais là-bas, prendre un peu de vent frais, etc. Et enfin, on s'est arrêté un peu trop tôt. On s'est arrêté près d'un hôtel, on a fait un petit tour, après, on a toujours vu la mer quand même, mais c'est pas encore le coin le plus joli. Et comme on voulait manger, on a voulu manger à l'abri, on est retourné dans un hôtel. Donc, super accueil, ils nous ont accepté qu'on mange nos sandwichs, etc. Et là, on voit qu'il y a moyen d'aller au sauna tout à l'heure en rentrant de la mer. Et ça, c'est bon. Thank you.
to everyone. Thanks for being such an amazing audience. So this is going to be my last song for this evening. I want to thank the venue for having us. Uri, fantastic chap, and the Hadzukuli.